Et ce que je fais là aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est un atelier pareil, conduite des ballons, cadre, jongleur, faire des petites passes courtes, intérieur, extérieur. Ça, en fait, ça fait partie du projet. Comme j'ai commencé avec la conduite des ballons, et là c'est un nouveau projet, c'est-à-dire tout ça, tous ces éléments-là. Le verre, tout ça, ça remplace les cadres en fait. Moi, mon objectif, quand je contrôle, tout ça, c'est mon champ de vision. C'est mon champ de vision. En fait, quand je contrôle, c'est par exemple, là, je vais, allez, voilà, j'y vais, là, c'est quoi? C'est la conduite des ballons. Mon objectif, c'est de cadrer. Allez, là, j'ai cadré. Je pense que ceux qui me suivent, ils ont compris. Là, c'est pareil. Voilà. C'est quoi? Contrôle. Quand je dis des petites passes courtes, là, je fais une passe. Intérieur, extérieur. Je dois toujours lever la tête. Ça, je peux apprendre ça à mes gamins. C'est-à-dire, il faut toujours. L'objectif, quand tu fais un geste, c'est toujours de lever la tête. Toujours de lever la tête. Pour voir là où tu vas. Pour pouvoir, en fait, voir là où tu vas. Et c'est quoi ta direction? Voilà, je vais essayer encore. J'y vais. Alors aujourd'hui, on a du soleil, on travaille. Voilà. Ça, c'est la conduite. Là, comme c'est là, on voit là. Je peux cadrer aussi. Allez, cadre. Voilà. Je vais marquer. Voilà. Tout ça, c'est des cadres, en fait. Je vais essayer encore. Conduite des ballons, intérieur, extérieur, j'ai la tête. Cadre. Voilà. J'ai la balle. Voilà. Vous avez vu l'exercice? Conduis les ballons. Allez, cadre. Ah! Là, c'est pas cadré. Je vais faire un exercice. Le même exercice, je le fais. Allez, conduis les ballons. On lève la tête. Cadre. Voilà. T'as vu? On compte. Pareil, de l'autre côté. Là, intérieur. Extérieur, pied gauche. Je lève la tête. L'objectif, c'est que c'est mon corps, c'est ma gestuelle qui joue. Ça, c'est l'exercice. Je travaille ça. Surtout avec mes gamins, quand on a des entraînements, et cette vidéo, ça leur permet de travailler. À la maison, quand ils sont confinés comme moi, je leur envoie des vidéos. Là, je vais essayer. L'objectif, c'est que, voilà. Intérieur, extérieur, lève la tête, calme. Oh, ah! J'ai loupé. Là, je vais faire une petite touche. Contrôle, je contrôle. Je contrôle, je lève la tête, calme. Voilà, ça touche les poteaux. Là, ça touche les poteaux. Allez, je vais. Deux, trois, quatre. Voilà, quatre, encore. J'ai cadré. J'ai récupéré ma balle. Contrôle. Je contrôle, je lève la tête. Allez, cadre. Voilà. C'est ça. En fait, c'est simple. Tout ça, c'est les cadres. Tout ce qui est, ça remplace les cages. Allez, intérieur, extérieur, on lève la tête. Intérieur, extérieur, on lève la tête. Voilà, ça c'est la conduite du ballon. Intérieur, voilà. Intérieur, extérieur. Ça, je n'avais pas travaillé ça la dernière fois. C'est-à-dire, on a le ballon, on lève la tête, on contrôle. Intérieur, extérieur. On garde le rythme. L'objectif, c'est de garder le rythme. Et toujours une bonne vision, de voir son partenaire, son coéquipier. Il est bien parti. Intérieur, intérieur. Allez, je fais une passe. Là, lui, il contrôle. Et l'objectif de lui, c'est de cadrer. Voilà. Ça y est. En fait, c'est ça. Allez, on y va. Comme il y a du soleil, allez, on travaille. On travaille. On travaille. Allez. On va être là. On change de rythme. Allez, cadrer. Voilà. Vous avez vu? Je loupe les cadres. Allez. On va essayer de toujours cadrer. Allez, pied gauche. Voilà, cadre. C'est bien. Maintenant, je vais faire pareil. Pied droit, cadre. Voilà. Ça passe. Allez. On va essayer. C'est toujours le cadre. Cadre. Tout ça, ça remplace le cadre en fait. C'est ça, ça remplace le cadre. Pied gauche. Bon, allez, cadre. Voilà. Seigneur. Là, ça a été cadré. Voilà, on va essayer. Pied gauche, cadre. Allez, voilà.
ça c'est bien ça. C'est cadré. De l'autre côté, pied droit. On s'applique. Allez, cadre. Voilà. C'est parfait. Là, l'objectif c'était quoi? De travailler des... C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique la justesse. Pourquoi la justesse? C'est qu'il y a des tirs, il y a des coups francs, il y a des tirs au but, il y a pas mal de choses qui te demandent d'être juste. Quand tu es juste, avec tes partenaires, l'objectif c'est de cadrer. Allez, cadre! Voilà! Là j'ai cadré. C'est bien cet exercice. Bon, je parlais de la combinaison des ballons intérieur-extérieur, intérieur-extérieur. Voilà, intérieur-extérieur. Allez, intérieur-extérieur. Allez, on part. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. C'est un exercice simple. Et j'ai vu ça hier sur Insta, sur Facebook, des gamins qui ont balancé des vidéos sur le lien du Paris Saint-Germain. On appelle ça Stay at Home Challenge, en fait. Et moi, mes vidéos, c'est pour mes gamins. C'est pour mes gamins qui sont confinés comme moi, qui sont à la maison. C'est-à-dire à la maison, ils doivent faire aussi du sport. L'essentiel est de savoir comment mettre en place son projet. Même avec ta table de la cuisine, tu peux faire des trucs. Même avec tout ça, ça remplace, en fait, ça remplace les cages. J'ai vu pas mal de choses. Allez, on va travailler les jambes. Voilà. Ça c'est contre. Voilà. Allez, cadre. Ah. Allez, on y va. Cadre. Ça touche les poteaux. Allez, cadre. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Je pense que là, je vais finir par, comme je dis, c'est un petit atelier pour qu'elle n'ait pas trop les embrouiller. On va faire conduire des ballons, cadre, intérieur, extérieur pour la dernière fois. Allez, conduite. On lève la tête, intérieur, extérieur. Toujours lever la tête. Pourquoi on lève la tête? C'est pour voir là où tu vas. Pour comment voir, comment aussi si fait ton partenaire. Quand on joue comme ça, on ne joue pas comme ça, on doit jouer comme ça. Même si tu es dans cette position-là, voilà, tu lèves la tête. Donc voilà. Voilà, allez, intérieur. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Merci à tous les messieurs et à tous qui me suivent surtout. C'est très important de balancer un petit mot. Là, je pense que bon, on est tous dans cette mauvaise période, quoi. Donc, des confinements, de la problématique, de la pandémie. J'ai perdu des chers qui étaient chers à moi, des frères qui étaient chers à moi. Et certains aussi que je ne connais même pas, j'ai vu des liens sur Facebook, sur Insta, tout ça. Mais, comme j'ai dit, comme j'avais dit, comme ils ont dit, c'est une guerre sanitaire. L'ennemi, on ne le voit pas. L'ennemi, n'est pas là. Mais j'ai suivi un message là pour l'Afrique. Je ne pense pas que l'Afrique doit être le tremplin. Pour l'essai de tout ce qui est médicaments, vaccins. Je ne pense pas que ça doit être l'Afrique. Ça doit être au pays dont la, si on voit les taux élevés, cette problématique, elle n'est pas en Afrique. Elle est en Chine, elle est en Europe, elle est en Amérique. C'est là où on doit chercher. C'est là où on doit chercher. Parce que là, je pense que c'est pas... C'est pas moi le tremplin, l'Afrique ne peut pas être le tremplin. Je suis d'origine africaine, je suis africain, comme tous mes Africains qui me suivent. Je suis congolais. Je suis venu en France, ça doit faire plusieurs décennies. Mais c'est ça le mal. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire l'Afrique par nos idées, sans être influencé. La Chine qui est aujourd'hui grande puissance, jadis elle n'était pas grande puissance. Elle n'était pas grande puissance. Mais une pensée à tous mes compatriotes, tous mes amis qui ont perdu leurs frères, sœurs, tout ça, c'est qu'on est dans une guerre. Continuons à se soutenir par des vidéos, des messages, des liens, tout ça. Parce que là, par exemple, moi j'ai perdu des
Déjà qui était cher à moi à Paris. Mais je ne peux pas aller. Bon, on va les veiller, soit aller les voir dans les hôpitaux. J'ai fait quoi? J'ai fait des liens. Et des liens là, ça les encourage. Merci beaucoup. Vous avez suivi Xavier, mon logo Gianfranco Ferré pour mes intimes, pour mes fans. Voilà, je suis toujours là. Je travaille un peu parce que je ne reste pas inerte. Quand je dis travailler, je suis confiné. Je dois faire mes petits ateliers chez moi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Et pensons que l'Afrique n'est pas être en plein de comment dirais-je, de tester des choses. Mm-hmm. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Merci.